Yo tout le monde, c'est Louis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur PES 2019. Sur ce, bon visionnage! Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue pour ce match. Nous terminons les ultimes préparatifs. Le coup d'envoi sera donné dans quelques minutes. Le temps pour moi de vous avertir quand même qu'il risque bien de pleuvoir durant la rencontre. Ce qui pourrait être synonyme de ballon qui fuse et qui accélère. C'est un enfer pour les gardiens, ça on le sait, mais ça peut donner plus de spectacle pour vous, les téléspectateurs. Voilà un stade magnifique, plein comme un œuf. C'est parfait pour ce match. On est bavard, on en a même manqué le coup d'envoi. C'est bien ce qu'il fait là. C'est parfait, magnifique. Allez, ça doit faire but. Il y a danger. La frappe. Et l'arrêt, magnifique. Il s'en sort bien le gardien là-dessus après avoir laissé échapper le ballon. Quelle séquence de passe, collectivement c'est parfait. C'est joué long, attention. On joue sur l'aile, il est servi. Il centre, attention. L'interception, bien joué. Lille qui enchaîne les résultats ces derniers temps avec pas moins de 5 victoires consécutives. Oh la frappe. Oh c'est un arrêt important ça. Oui, quelle intervention. Honnêtement, moi je la voyais dedans. Quelle détente! Ça s'est joué à rien! Oh là là, pas de bol, ça passe juste à côté. C'est dommage, mais il faut cadrer à tout prix ce genre de frappe. C'est bien, conserver sa lucidité maintenant. Il tire. La réponse du gardien. Un grand dégagement le plus loin possible. Ça bouge, côté gauche. Il progresse encore. Oh, quel geste. C'est le moment de centrer. Oh, le bon ballon. C'est un bon ballon. Oh, l'occasion. Ça passe à côté d'un rien.
ça aurait pu faire, mais je sais pas passer loin. Vous avez remarqué comme les latéraux montent, Grégoire ? Oui, c'est vrai, mais je suis sûr que ça correspond à une tactique précise, non ? À mon avis, c'est pour forcer les ailiers adverses à redescendre. Faut tirer là ! Oui, c'était puissant ! Il allonge vers l'avant. Ça passe à droite. Il joue dans l'espace. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. C'est bien fait, ça. La passe est précise. Il est à distance de tir. Mais non, hors-jeu. Ah non, superbe passe sans contrôle. Ça méritait d'aller au bout. Ça joue à gauche. Il reçoit le ballon. La passe dans la profondeur. Oh, l'aspiration ! Oh, but pour Lille ! Et premier but pour le LOSC Lille Métropole. Tout seul, face au but, c'est presque trop facile. Il a bien exploité l'espace devant le but et à partir de là, c'est très difficile de l'arrêter. But ! Le premier but dans cette rencontre, vivement la suite. Il mène au score, maintenant il ne faut pas laisser l'adversaire revenir. Il préfère jouer avec son gardien. Le long dégagement du gardien. Long ballon dans le sens du jeu. Il glisse le ballon en profondeur. Centre à ras de terre. Ça joue long, vers l'avant, bien servi. Ce sera une remise en jeu. C'est bien donné. Il écarte le jeu. Un seul but d'écart pour l'instant, mais ça suffit à leur bonheur. Ça fait donc 1-0. Il relance côté droit. Elle continue sa course. Un centre dans la surface. Un peu d'oxygène pour sa défense. On joue sur l'aile, il est servi. Un centre bien placé. Et ce sera pour le gardien. Le Paris Football Club qui peut avancer. Allez, pour trouver la faille dans la défense. Allez, ça peut faire mal. Le bon dribble. Ils obtiennent la touche. Et ils vont effectuer cette touche. Et la tête ! Oh, la tête ! Pas de réussite !
Pas d'hésitation de l'arbitre, ce sera un coup franc. Le Paris Football Club qui essaye de construire. Et le one-man show continue. Voilà une bonne occasion de contre. Le jeu repart vers la droite. C'est la mi-temps où les joueurs vont pouvoir reprendre leur souffle, et nous aussi d'ailleurs. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Et il mérite de mener à la pause. Le public est satisfait. Il faut qu'il continue comme ça. Un seul petit but d'écart entre les deux. Allez, c'est une nouvelle mi-temps qui commence. Oui, mais attention à ne pas se reposer sur ses lauriers. 1-0, ça pourrait vite basculer. Il tente de la jouer dans l'espace. Bien travaillé dans la... La tête! Oh, le gardien est là, la classe! Quelle classe! C'était un arrêt extraordinaire! Il relance côté droit. Bien joué ça. Il centre là-bas au second poteau. C'est dégagé, loin devant. Le Paris Football Club qui nous a offert un match nul comme on les aime à la dernière journée avec ce 2 partout. Va-t-il en profiter ? Ça fait du bien. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. L'interception au bon moment. Le gardien loin devant. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. La tentative. Oh, il bute. Le but. Le break est fait, 2 buts d'écart désormais. Ça, c'est du jeu collectif. Il passe de défense en attaque à 100 à l'heure. Et au bout, il y a but. Et voilà, ça fait maintenant 2-0. Ce but change quand même beaucoup de choses. À 2-0, on est quand même plus tranquille. Il est passé. Il peut frapper. Et il est renvoyé par le poteau. Il joue long. Ça peut partir en contre. Ballon intercepté. Ça soulage la défense. C'était une bonne intervention. Il était bien présent. Un long ballon vers l'avant. Ce contre peut très bien aller au bout. Le ballon sort du terrain. Et c'est donc un changement. Il y a peut-être un coup à jouer. Un centre tendu. Attention! Oh, l'intervention magnifique! Bien repoussé par le gardien. Et ça, c'était pas facile à arrêter, croyez-moi. Le jeu s'arrête, le temps de procéder à un changement. Il y va tout seul. Lille qui cherche l'étincelle pour trouver la faille dans la défense. Bonne intervention. Il cherche son coéquipier.
Il est bien placé. Le soutien derrière lui. Attention la frappe. Danger repoussé pour le moment. Les changements s'enchaînent, on dirait bien. Cette défense me fait un peu penser à la fameuse tortue des légions romaines. Très lente, vous voulez dire ? La reine, il faut réviser vos classiques. Non, je voulais dire regrouper dans l'axe, sans rien qui dépasse. Ah, d'accord. Mais pourquoi il appelle tortue ? Bon, allez, je vous expliquerai ça hors antenne, on enchaîne. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. C'est reparti, ils peuvent contrer. C'est joué long, attention. C'est bien, conserver sa lucidité maintenant. Il est en bonne position pour centre de la tête. Ah, il n'arrive malheureusement pas à la mettre au fond. Ils avaient une vraie occasion de revenir dans ce match. Dommage. On attendait un arrêt de jeu. Le changement va pouvoir avoir lieu. Et c'est pas surprenant. Il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais, ça va le faire du bien. Ça manque de précision, dommage. Quelle fait du bien cette interception. Il décide d'allonger le jeu. L'arbitre a sifflé, faute. C'est bien fait, ça. Va-t-il en profiter ? Il est passé. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Il a essayé d'y aller seul, mais sans réussite. Ça s'est bousculé un peu trop dans la surface, là. Difficile de réussir son tir dans ces conditions. C'est joué long, c'est dangereux. Il file sur l'aile gauche. Il y a peut-être un coup à jouer. Il était quand même pas mal, ce tacle. La faute. Ça pourrait être une sanction administrative, mais là, l'arbitre ne sort pas de carton. La passe est précise. Il peut centrer. Faut s'appliquer sur ce genre de centre. Il y avait pourtant plein de joueurs disponibles dans la surface. Et le bon dégagement. Quelle inspiration! Dans la boîte. C'est dégagé, loin devant. C'est fini, le coup de sifflet final qui met un terme à cette rencontre. Et un score qui reflète la physionomie de ce match. On s'est régalé tout au long de la rencontre. Franchement, c'est un spectacle qui réconcilie avec le football. Que retenez-vous de cette rencontre ? Un clean sheet et un match gagné. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus ? On s'est régalé d'Arren, vraiment, tout au long de cette soirée. Un beau match et vos analyses toujours pertinentes. On se retrouve très vite, à très bientôt. Merci Grégoire.
Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous, mettez des likes et activez la cloche de notification. Ciao tout le monde.